premier objet sur lequel on va voter, c'est l'initiative 178 déposée par l'UDC. Elle vise à diviser par deux l'imposition automobile à Genève. C'est une initiative relativement simple. Elle ne veut pas changer le barème qui est actuellement basé sur la puissance des véhicules, mais simplement le diviser par deux. Le deuxième objet est le contre-projet à cette initiative. Il s'agit de la loi 12-888 qui, elle, vise à une refonte complète de l'imposition automobile. Elle introduit une taxe de base de 120 francs par véhicule, puis un barème en fonction des émissions de CO2 pour les véhicules thermiques et en fonction du poids des véhicules pour les véhicules électriques. Alors il faut savoir que les véhicules qui sont destinés au transport de choses sont actuellement imposés en fonction du poids total du véhicule. Avec le contre-projet, ce barème sera maintenu, cependant un bonus de 50% sera introduit pour les véhicules 100% électriques ou 100% à hydrogène. Le contre-projet a l'avantage de maintenir l'équilibre fiscal, contrairement à l'initiative qui, elle, propose de diviser les recettes fiscales par deux. Notre fédération donne sa préférence au contre-projet qui permet d'encourager une mobilité plus verte tout en préservant l'équilibre fiscal.